Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a étudié l'autre jour la voyelle A, ce qu'on appelle bon, le A antérieur, la prononciation courante de A, mais il y a en français un autre type de A, c'est le A postérieur, A, A. Es como si fuéramos a tragar, como si a pronunciarla y nos la pronunciamos intentando tragarlo. A, 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 A. No es una O tampoco, es una A, es una hacia atrás, A. Faut ouvrir la bouche, bouche ouverte, les lèvres légèrement arrondies et la prononciation comme si vous aviez l'intention d'avaler, de tragar, la A, A. Ok? Bon, alors vous avez là la définition, c'est une voyelle orale, velaire, ouverte, arrondie, et vous avez des exemples. Essayez de lire les exemples avec le A comme ça, postérieur. Essayez. La. La. Ka. Ka. Ba, pa, 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 pa. Hein? Le pas, c'est le pas de la négation, pa, pa, ne pas, même pas confondre avec le pas de un paso, faire un pas, deux pas, j'habite à quatre pas d'ici, à quatre pas d'ici, j'habite à quatre pas, par contre, je ne sais pas, je ne crois pas, je ne pense pas, pa, hein? C'est A, c'est le A postérieur. Et c'est pareil pour le mot la, ka, ba, ok? Bien, et la prononciation pour les variantes combinatoires, il y a une prononciation, disons, allongée, en position tonique suivie de n'importe quelle consonne. Alors on a fable, fable, vous prononcez avec moi, fable, fable. Âpre, âpre, vase, vase. Âpre. Alors, en position tonique et suivie de consonne, on prend quelques secondes extra pour bien prononcer le A, pour bien marquer la prononciation. Alors, c'est une prononciation plus allongée. Pour les graphies, les équivalences, la relation des sons et des graphies, alors normalement, c'est la lettre A surmontée d'accent circonflexe. Par exemple, vous lisez avec moi am, am, ma, pat. Et la lettre A sans accent circonflexe dans le cas suivant. Dans la terminaison AS où le S n'est pas prononcé, par exemple ra, gra, ka, la terminaison AS où le S se prononce, exemple masse, atlas, la terminaison AS, AS, par exemple phase, base, base, ok? La terminaison action, action, A-T-I-O-N, action, exemple, surtout les mots de plus de deux syllabes, hein. Création, civilisation, et dans quelques mots et des noms propres, bon, c'est l'usage qui détermine la prononciation. Alors là, c'est une question d'usage. Le Havre, Jacques, Aillon, Baron. Alors là, dans ces cas un peu spéciaux, parce que ce sont des cas des noms propres, des noms de villes, de personnes, alors dans ces cas, on prononce A. Et aussi, dans quelques mots qui présentent les terminaisons AB, ABLE, ABRE, ACLE, AS, AR, AR, AGNE, AM, AM, AN. D'accord ? Dans ce type de terminaison, il se peut qu'on trouve le A postérieur. Les exemples, vous lisez avec moi. Crabe, diable, sabre, miracle, tasse, bar, rare, il gagne, brame, flamme, condamne. Aussi la terminaison aïe, aïe, A-I-2-L-E, A-I-2-L-E, aïe, prononcé aïe. Et en règle générale, d'accord, et sauf dans les cas où on a expliqué pour la terminaison aïe, des terminaisons verbales. Ok? Alors, paille, volaille. Alors, dans ce cas, la prononciation c'est aussi postérieure. La terminaison oua, mais seulement dans le mot trois. Trois, c'est pas trois, 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 au bois. Au bois, au bois. Un peu le A, comme si vous l'avaliez, hein, comme si la tarasse. Ok? Et quelques mots par influence de la consonne R, roi, croix, ok, OI à sens circonflexe, mais seulement dans le mot cloître, croître, et finalement OE, E à sens circonflexe, seulement pour le mot poil, poil, certains nous estufa, poil, poil.
Bon, alors, de toute façon, j'insiste à vous dire que cette prononciation de A postérieure, et la tendance dans le français courant de nos jours, c'est à ne pas la faire, ou à confondre, à assimiler le A antérieur et postérieur, comme quoi, bon, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas, cette prononciation A, hein, en arrière, c'est-à-dire la partie postérieure, dans ce cas-là. Et si vous l'entendez, bon, il faut bien la garder, la respecter. Notamment pour des cas concrets où ça se produit tout le temps, c'est le pas de la négation, quelques terminaisons qui sont fixes, action, as. Alors dans ce cas, c'est vrai qu'il y a cette prononciation. Ok ? Bien. Alors maintenant, je vous encourage à faire les activités des pratiques. Et si vous me permettez, je vais tourner la caméra pour voir comment vous faites l'articulation. Ok ? Voilà, alors je fais comme ça, j'espère que je le fais bien, mais sinon vous me dites, ah oui, voilà, tous les deux c'est là, c'est parfait. Bien, alors, et la pratique, on va faire d'abord la lecture, on va faire la lecture des mots sur la colonne de gauche, et donc tu commences à lire un peu. Pâle. Mal. Essaye de travailler, d'avaler le pâle. Mal. Mal. Bien. Théâtre. Pâlir. Tâter. 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 D'accord. Je sais que c'est difficile, mais au moins que tu saches que ça existe. Très bien. Pâle, mal, théâtre, pâlir, tâter. Alors, tâti. Bas. Lila. Vase. Vase. Essaye de manger le A. Hein. Alors, vase. Bas, la. Lila, pardon, vase, miracle, flamme, ok, et tu continues là, conversation, évasion, oui, oui, cadavre, rare, gazon, gaz. Et vous continuez, Tati? Hélas. Anne. Anne et Jacques. Ont annoncé. Fiançailles. Aval. Hein? Alors, hélas, Anne et Jacques ont annoncé leur fiançailles à Bâle. Hein? Fiançailles, aïe, Bâle. Anne, Jacques. Hein? Donc, c'est la prononciation arriérée de la lettre, de la voyelle A. Et finalement, Lara. La bataille. De Versailles. Ne fut pas une débâcle par miracle. Débâcle par miracle. Ok. Bon, on va essayer de lire maintenant les symboles de transition phonétique. Alors, vous cachez là les textes écrits et on va essayer de lire les autres mots. On commence, oui, plus ou moins. Essaye de lire un peu. Tati? Pâle. Intenta de trabarla, porque tú los pronuncias igual, no pasa nada, ¿eh? Pero tú no distingues las dos, aparentemente. Intenta si puedes trabarla. Pâle. No trabar la palabra entera, sino solo la. Pâle. Bien. Mal. Théâtre. Pâlir. Tâter. Hein? Pâle, mal, théâtre, pâlir, tâter. Je sais que c'est difficile, et je ne vais pas insister. Non, vais insister, mais que c'est pas ce que existe. Si non, non, ça va vite, c'est pas grave. Hein? Alors, on continue. Bas. Lila. Vase. Miracle. Flamme. Très bien. Et Tati? Conversation. Ah, conversation. Évasion. Cadavre. Rare. Gazon. Bien. Hélas. Hélas,
Hélas. Eso es un pesar. Ana y Jaime. Ana, Jacques. Ana, Jacques. Un tamancé. Oui. Sus bodas, sus esponsales, sus esposorios. Fiançailles. Abel. Ok. Hélas, hélas, Anne et Jacques ont annoncé leur fiançailles à Bâle. Bien. Et finalement, Tati? La bataille. De Versailles. Ne fut pas. Sin des vagues. Oui. Par miracle. Voilà. La bataille de Versailles ne fut pas une débâcle par miracle. Ok, bon, on va arrêter là. On va faire une dernière activité, c'est l'opposition. On va voir si c'est possible de le faire, l'opposition entre le A antérieur, le A entre guillemets dite normal, courante, d'accord, et le A postérieur, le A que vamos a tratar como tragar. Alors on va faire la lecture de vive voix et on va essayer de compléter les exemples. On a ta, je ne sais pas si vous voyez. On va essayer de faire les autres. Et tu lis la première colonne, par exemple, Lara. Pat. Ce sont des symboles phonétiques. Tu dois tu lire. Pat. Bien. Balle. La A normal, hacia adelante, la echamos para afuera, balle, y la otra para adentro, balle, que sea baile y balle la ciudad, ¿sí? Tache, tengo para afuera, tache, que es mancha, una mancha o una tarea, un trabajo, ¿sí? Ma es el posesivo y ma es el mástil de una nave, ¿no? Ma, ¿ok? Vamos a hacer la misma cosa con Tati. La primera la echas hacia adelante, ¿d'accord? Tu pousses en avant le A et la deuxième, tu essayes de le faire en arrière comme si tu avales le A, ¿d'accord? Tu essayes, ¿hein? Ra. La, allí, la, estoy cansado. La, yo soy la, estoy cansado. La, allí. La. Mal. ¿Algo está mal? Mal, macho. Mal. ¿Sí? Chasse. Es un espacio cerrado. Chasse. Pal. Ok? Bueno, on va faire la lecture de l'activité 22, on va lire simplement. Première colonne, Lara. Chal. Repas. At. As. Phrase. Phrase. Oui, la troisième colonne, c'est pour toi. Tati. Sable. Basse. Croire. C'est la R qui a fait que tu là par la tâche. Croire. Gâté. Marron. D'accord? Voilà. On va faire maintenant, vous allez faire la transcription des mots de l'activité 21. Vous faites la transcription, ok? Et j'arrête là l'enregistrement. Je vous remercie.